Bonjour, aujourd'hui on se retrouve au bord de mon étang pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'essai de ma toute nouvelle canne de chez Yakutsu. Nous allons donc procéder au déballage. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une canne qui est fournie avec une petite housse en tissu rouge, de la même couleur que la canne. Donc voici la canne, donc c'est un modèle spinning en deux brins. Donc la canne, c'est une canne de fabrication française. Le blanc, c'est un blanc toré, en carbone 40T plus 30T. Pour ce qui est de sa caractéristique, donc c'est un emmanchement inversé. Ensuite, vous avez les anneaux Fuji XIC KR. Donc sa couleur, comme vous pouvez le constater, elle est rouge. Alors, c'est donc la Yakutsu Baya en 10-30 grammes, en longueur 2,13 m. Alors son encombrement est de 1,07 m et son poids de 118 grammes. Donc ce qui fait une canne très légère. Son action est progressive. Nous avons un petit accrocheleur en inox ici, voilà. Le porte-moulinet Fuji, avec la particularité d'avoir un deuxième pas de vis pour bloquer le moulinet, une poignée en EVA, et pour finir, le petit logo Yakutsu. Le deuxième brin, toujours pareil, de couleur rouge, mais il finit les 40 derniers centimètres de couleur noire, ce qui donne un très bel aspect à la canne. Alors les anneaux, vous pouvez constater, ils sont très petits, toujours du Fujisic KR. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la caractéristique de la canne. Alors après, nous allons donc procéder à l'essai sur l'étang. Je vais essayer quelques leurres. Alors leurre dure, leurre souple. Je vais essayer un peu de jig. Alors nous allons passer à l'essai. A tout de suite. Là, je vais vous présenter la canne d'un peu plus près pour que vous puissiez voir un peu plus la finition. Alors la couleur rouge est vraiment très très jolie. Les anneaux KR, très bien. Très bonne finition aussi au niveau des ligatures. Vous pouvez le voir, le vernis est bien remis par-dessus, vraiment très très propre. Alors on finit avec vraiment de tout petits anneaux. Sinon, une fois la prise en main, vous pouvez voir qu'elle reste assez flexible. C'est pas une canne raide, mais très flexible. Alors on verra bien, on va voir son action une fois sur l'eau. Donc nous sommes partis en essai sur l'étang. A tout de suite. Alors je vais commencer en tête plombée de 5 grammes en texan avec un one-up. Alors nous allons voir le comportement de la canne. Comme vous pouvez constater, ce que je vous disais, c'est très très souple quoi. Voilà. Alors nous allons voir où lancer, ramener. On va voir en mode de pêche ce qu'elle donne. Allez, c'est parti. Le sion reste très souple. Alors moi je pêche en tresse, donc en tresse je peux vous dire que je sens bien mon leurre. C'est vraiment très agréable, vous voyez. L'animation se fait toute seule avec la canne, vraiment très agréable.
une carpe. En lancer, on peut pas dire que ça soit... C'est très bien. Là, je vais faire un lancer ramené avec le leurre. La canne se comporte très bien. Alors là, nous allons changer de leurre. Changer avec un leurre Arnaud en 100. Voici. Vous pouvez constater le sion, vous voyez. Le leurre se va très bien. On dirait, voilà. Ensuite, change le leurre. On voit que la canne reste souple. Mais le leurre suit bien. Ouais. Pour les animations, c'est parfait. Un petit lancer. Très bonne lanceuse. La canne est vraiment bien faite, elle va quand même jusqu'au coude, elle arrive bien au coude, vraiment très confortable à pêcher. Je la sens pas, vous voyez, on s'est ramené. Donc là, je vais faire un petit essai avec un crank, un petit crank de chez Molix. Je sais que la canne n'est pas prévue pour. Normalement, c'est pas une canne à crank. Mais bon, nous allons voir. Là. C'est juste pour tester la polyvalence de la canne. Alors, allons essayer. Là, à mon avis, ça va tracter. Ça va tirer. Ah oui, tout à fait. Alors, regardez le sion. Là, on voit bien le sion travailler. Ah, on le voit vraiment très très bien. Sous les vibrations du crank. Ouais, là c'est sûr que là elle travaille. Ah, une petite perche. Ouais, bon pour des fois dépanner. Un de mes derniers essais au leurre dur. Pour finir, le Stick Bets, le Giant de Geeks de chez Megaboss. Donc là, nous allons essayer de faire du Walking the Dog avec la canne. Ah super, voilà. Alors là, toujours le bout du sion, vraiment la pointe du sion qui travaille. En fait, en regardant bien, toute la partie noire travaille énormément. Mais c'est vraiment bluffant. Très très bien. Là, je viens de voir un Black Bass. Nous allons essayer, avec la canne, de lancer un petit leurre. Voir, si elle en est capable ou pas. Nous allons essayer avec un petit verre. On va essayer de pêcher ce black. Si on pouvait le prendre, ça serait très bien pour voir l'action de la canne sur un petit black. Ce serait même extraordinaire. Alors. Et là maintenant on peut pêcher les blacks. Ils ont fini de frayer. Nous, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont fini de frayer à l'étang. Ils ont frayé assez tôt cette année. Donc là, on peut se permettre éventuellement d'aller les traquer un peu. Ah, ça y est, je le vois. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il est juste devant. Alors, voyons voir la canne. Waouh, ah bien. Ah si, si, même au petit leurre. Alors, voyons voir. Si monsieur serait décidé. Ah, il va dessus. Il vient jusque là sous la barque. Hein. Le monsieur n'est pas intéressé par mon verre. Hein. À moins que. Non.
Beau black, hein. Joli. Ah, tant pis. Ce sera pour une autre fois.